Bonjour et bienvenue dans Dérégime et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Pour cette dernière journée, toujours en compagnie de David Douillet, nous allons mettre de côté les conseils diététiques pour aborder un sujet que notre invité maîtrise comme personne, le sport et l'activité physique. David, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Je maîtrisais l'activité physique, on pourrait dire. Non, bon, c'est vrai. De bonnes connaissances. Oui, donc, on va effectivement parler du sujet que vous connaissez le mieux, et bien mieux que la valeur nutritionnelle d'une carotte, on va parler d'activité physique. Avec toutes ces variations de poids que vous avez connues, j'imagine que vous savez ce que c'est que la masse grasse. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, malheureusement, oui. La masse grasse, c'est l'ensemble des cellules graisseuses que l'on a réparties sur tout le corps, souvent sous la peau, et d'une façon plus profonde autour des organes. Mmh. Et puis la masse maigre, c'est le restant des tissus, donc c'est les muscles, les organes, le sang, les os, les tendons, donc un peu le reste du corps. Quand deux personnes ont le même poids, la même taille, avec une masse grasse différente, eh bien la silhouette est totalement différente. Vous connaissez votre taux de masse grasse ? Non. Je l'ai connu à une époque, mais là, j'ose même pas le connaître. Ben justement, nous avons... Vous connaissez ce type d'appareil ? Oui, je vois à peu près. C'est un impédance-mètre. Oui. On va pouvoir... C'est un appareil, un pèse-personne de nouvelle génération, qui donne des indications sur la mesure du corps humain et notamment le taux de masse grasse contenu dans le corps. Donc, on va pouvoir faire un test ensemble. Vous allez pouvoir le prendre avec vos mains. On y va. Alors, serrez pas trop fort. Je sais que vous avez un peu de muscle malgré tout, de beau reste. Bon, ça peut... Sinon, il n'y en écrase plus rien du tout. Allez, on va lancer la mesure. Et là, est-ce qu'on peut flouter le chiffre à la caméra, s'il vous plaît ? Donc là, effectivement, nous avons une mesure qui indique un taux plus important que la normale. Exactement. Pour modifier justement sa silhouette, il faut influer sur la masse grasse. Et là, vous connaissez la recette, il faut énormément bouger. Parce que si on perd du poids, on fait un régime, très souvent, on perd de la masse maigre, donc du muscle. Alors qu'il faut se muscler et influer, tirer dans les réserves au niveau de la masse grasse pour pouvoir sculpter la silhouette, tout simplement. Eh bien, David, l'homme politique que vous êtes est très occupé. Voilà pourquoi je vous propose maintenant une série d'activités et de mouvements simples à faire chez soi. Et j'ai le plaisir donc de pouvoir accueillir Jessica Mellet, notre coach sportif, pour deux petits exercices spéciaux cardio-prévention. Bonjour. Travailler votre cœur pour vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est essentiel. On vous suggère très souvent de faire 30 minutes d'activité physique par jour, mais c'est souvent difficile de s'y tenir. Je vous propose de le faire un minimum deux fois par semaine avec la marche rapide. Marche rapide, si vous pouvez en faire 20 minutes, c'est très bien. 40 minutes, évidemment, c'est encore mieux. Alors la marche rapide, vous savez bien entendu qu'il s'agit de marcher à une allure soutenue, un peu plus soutenue que si on allait faire du shopping, évidemment. Donc l'essentiel, c'est de bien marcher. Tout d'abord, prenez une bonne paire de chaussures de sport, de type donc running ou de type marche, fitness, c'est idéal. Soyez à l'aise dans vos vêtements et essayez de prendre une petite bouteille d'eau avec vous. Votre pas doit être bien allongé. Faites de grands pas et essayez de bien développer votre pied. Vous posez votre talon en premier et vous développez ensuite votre pied. Vous utilisez les bras, vous verrez, vous brûlerez plus de calories et surtout, vous engagerez votre cœur à monter un peu plus haut en fréquence. Donc, vous êtes bien droit, vous vous oxygénez, vous allez profiter du paysage et prendre un bon bol d'air avec la marche rapide et vous serez en meilleure santé. Voici une deuxième façon de travailler son cœur. Il s'agit de l'intervalle training. Donc c'est une technique qui permet de faire monter son cœur et de le faire redescendre. Ça nous permet de brûler un petit peu plus de calories que la marche rapide. Bien sûr, vous entamez l'intervalle training si vous êtes à l'aise sur la marche rapide. Alors, je vous propose une technique qui est relativement simple, c'est d'utiliser 30 secondes à une fréquence cardiaque haute et 30 secondes à une fréquence cardiaque basse. Vous pouvez le faire sur plusieurs exercices. On va prendre l'exercice le plus simple, c'est celui de la course et de la marche. Donc par exemple, montre en main, vous courez soit dehors, soit sur place dans votre salon à une bonne allure intense, comme ça. Vous courez, vous montez les genoux de sorte à faire monter le cœur le plus haut possible. Montre en main, 30
secondes et ensuite vous relâchez. Sur 30 secondes, vous vous dégourdissez les jambes, vous marchez. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus intense, vous pouvez le faire en trottinant plus bas. Donc soit vous marchez, soit vous trottinez plus bas. 30 secondes sont passées, on repart. L'intervalle training, go, 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 go. On lève les genoux, ça doit être cardio intense. 30 secondes sont passées, à nouveau, on relâche, on se détend ou on trottine. De cette façon-là, vous verrez que vous allez travailler votre cœur. L'idéal, c'est de le faire entre 15 et 20 fois. Vous allez brûler des calories tout au long de la journée et votre cœur sera vraiment en super forme. Très rapidement, vous vous sentirez plus à l'aise dans les exercices au quotidien, comme porter les courses, monter les escaliers. Tout ça, ce sera vraiment facile pour vous. C'est à vous de jouer. À très bientôt. Nous avons élaboré spécialement pour vous un quiz barbecue. Oula. Je vais vous poser plusieurs questions et vous allez me dire quelle réponse est la plus diététique. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien, donc, première question, pour les saucisses. Oui, oui. Il vaut mieux deux chipolata, deux saucisses de veau italienne ou deux merguez. Qu'est-ce qui est le plus diététique? Ça dépend du charcutier. ça dépend de la cuisson. J'aurais tendance à dire le veau. Le veau à l'italienne, c'est plus une viande un peu plus maigre. Les autres sont un peu plus des saucisses un peu fourre-tout. Mais tout dépend de la cuisson, parce que quelquefois, il m'arrive de manger chez certains copains, dont je ne citerai pas le nom dans cette émission. Absolument. Mais Cédric se reconnaîtra. il est cuit toujours pas suffisamment. Donc elles sont toujours grasses. Voilà. Il faut bien les faire cuire. Il ne faut pas les mettre trop fort, sinon elles brûlent. Alors c'est une vraie science. La merguez est très difficile à cuire. Je suis d'accord avec vous. Voilà, parce qu'elle s'enflamme tout de suite. Oui. Avec le piment, ça brûle, etc. Non. C'est la graisse qui brûle. Oui. Et donc, il faut les faire suinter et tranquillement que ça coule, sans que ça s'enflamme. Voilà. Il ne faut pas être pressé pour les merguez. Il ne faut pas être pressé. Voilà. Il ne faut pas que ça aille très vite. Voilà. Tout à fait. Laisser. Mais pour revenir à notre question. Pardon, oui, excuse-moi. le veau à l'italienne, je pense. Le veau à l'italienne. Oui. Le plus diététique. Je crois. Effectivement, il vaut mieux miser sur les saucisses de veau à l'italienne. 120 grammes, soit deux saucisses, représentent 200 kcal contre 360 kcal pour les merguez et 400 kcal pour les chipolata. Donc, vous qui aimez bien manger, vous pouvez manger deux fois plus de saucisses de veau à l'italienne que de merguez, quasiment, pour le même apport calorique. Et si on aime les chipolata, on n'en mange qu'une. Absolument. Par exemple, tout à fait. Alors, question numéro 2. Pour accompagner la viande, il vaut mieux une cuillère à soupe de sauce tartare ou une cuillère à soupe de sauce barbecue? La sauce barbecue. La sauce barbecue. Ouais, je pense. Mais le mieux, c'est rien. Alors effectivement, la sauce barbecue est nettement plus « light », entre guillemets. Elle ne fait que 31 kcal pour une cuillère à soupe, contre 140 kcal pour une sauce tartare. Ouais, tartare, c'est… Le ketchup, tout simple, c'est tout aussi bien, 36 kcal pour une cuillère à soupe. Bon. Ouais, surtout qu'il existe maintenant des ketchups qui sont appauvris en sucre, donc absolument. C'est assez sympathique ça. Tout à fait. Pour la viande, il vaut mieux 200 g de beefsteak, 200 g de faux filet ou 200 g d'entrecôte. La partie la plus grasse, c'est l'entrecôte. Voilà. Très bien. Donc, faux filet. Vous êtes mieux. Vous connaissez mieux les parties grasses. Et voilà. Mais moi, non, je me suis fait une religion là-dessus. Le faux filet, j'aime pas trop. Voilà. Bon. Donc, je me suis dit, côte de bœuf, entrecôte, oui. Barbecue, oui. Mais j'enlève le gras. J'élimine le gras autour. Je mange un maximum pas. De gras. Un maximum de gras. Mais à un moment donné, Il faut psychologiquement se faire plaisir un peu, parce qu'en plus on mange des trucs qu'on n'aime pas trop, on explose. Quoi. C'est un peu la cocotte minute et voilà. Oui, peut-être même quitte à en manger moins. Bon. Bon, la notion de plaisir est toujours à préserver, c'est important. Bien sûr, tout à fait. D'une règle générale, le beefsteak et le faux filet, bien sûr, sont moins gras. 8 g de lipides pour 200 g de beefsteak, 16 g de lipides pour 200 g de faux filet, donc déjà le double. Et 22 g de lipides pour 200 g d'entrecôte. Donc trois fois plus que le beefsteak. Eh bien, dérégimez-moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore pour toutes ces compétences que vous nous avez partagées autour du barbecue. Vous avez le permis de conduire du barbecue. D'accord, bon, je continue. Et... Absolument. J'ai perdu de poids. Comme chaque jour, on termine avec le conseil bien-être. Si vous avez peu de temps pour les exercices physiques, faites 10 à 15 minutes par jour de stepper à l'aide d'une marche d'escalier. Ça travaille le souffle, affine les jambes et muscle le fessier. À la semaine prochaine!